Hey, salut à tous. Devinez quel jeu c'est? Ben vous le voyez, hein. Le jeu s'appelle Super Animal Royale et on va y jouer. Par contre, il faudra que je règle le son. Voilà, son réglé. Excusez-moi pour le son qui était trop fort. Vous m'entendez peut-être pas encore. Je vais mettre le son à 50% pour la musique. Veuillez patienter! Oh, que c'est bon. Ah oui. Ah, tu te fous de ma gueule, toi. Merci. C'est gentil, en effet, de enfin pouvoir accéder à mon truc. Non, c'est pas ta fille. Du coup, ici, on voudrait peut-être éventuellement modifier le son. Ah, on peut pas? Ah, c'est con, ça. Ah, si. Option, oui. La musique est déjà passée apparemment. Bah apparemment la musique n'est pas déjà très forte, donc normalement ça devrait aller. J'espère que vous m'entendez, donc on va tenter de faire une game comme ça. Tant pis si vous m'entendez pas très bien, mais normalement ça devrait être bon. Donc comme vous voyez, je vais vous présenter tous mes personnages. Normalement ça devrait être bon, vous devrez entendre la musique et moi au-dessus, ça devrait être correct. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais vous montrer tous les personnages que j'ai. Voilà, c'est ça. Donc bien sûr, on va commencer du début. Ah, attendez, j'étais trop loin. Alors, on a d'abord mon joli Wouhou tout mou. Voilà, ça c'est moi. Un joli Wouhou FB. Trop cool, trop cool. On a une super mouflette. Une loutre. Une furet, un furet. Un loup. Un renard dérangé psychologiquement. Un loup à crinière. Un chakra obscur. Un renard rose. Un panda roux que je suis en train d'utiliser en ce moment. Super Labrador que j'essaie d'avoir ses lunettes d'origine parce que c'est pas les bonnes lunettes. Mais bon, pour le moment, je les trouve pas, ils sont pas encore là. J'ai hâte qu'on puisse les avoir. Ça, c'est une hyène. Et ça, c'est un renard blanc. Trop sexy. Trop cool, surtout. Trop beau gosse. Ah, bah non, tu mets pas ce. Oh, j'ai pas sélectionné pourtant. J'ai pas vraiment confirmé, on va dire. Beau gosse. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester en solo pour s'amuser. Ah merde, j'ai pas été voir ce qu'ils vendent. Ouais, on ira voir ça après. Façon, il me semble que carrément au niveau voilà, à part ici où il y a de la musique. C'est lui que j'essaie d'avoir, mais j'ai pas les bonnes lunettes. En fait, il suffit de s'éloigner. Et il y a quasiment plus de son en fait. Et du coup, vous m'entendez correctement. Donc ça, c'est pratique comme technique. Donc, c'est ce que je fais alors du coup. Voilà, là, je me mets ici, comme ça, on entend un peu en arrière-plan le son de la musique, mais pas trop non plus pour que ce soit pas trop fort par rapport à moi. Dégage. Meurs, salope. Tu vas mourir, oui. Il va mourir. Il va pas mourir. Je suis tout mou, tout doux. Ah oui, c'est ça.
Ouais. Et c'est pour ça que... Meurs. Meurs, petit raton laveur moche. Non, parce que t'es moche, hein. Non, c'est pas ça. Ah oui. Ah bah non, donne pas de bisous. Je suis gros de boutons. Et du coup, il est content pour rien. Alors que c'est pas le bon bouton que je voulais faire. C'est un peu agaçant, ça, quand tu fais ce genre de conneries. Voilà, pour profiter de ça, je vais danser. Voilà, non, le mec, il se sent plus, tu sais, parce que je lui ai donné un bisou. Je me suis juste trompé, mec. Si tu vois cette vidéo et que tu es francophone, arrête de fumer. Je me suis gouré de boutons. Ça s'est fait automatiquement tout seul quand j'ai fait la recherche. Mais je voulais pas du tout te donner un bisou. Je te connais même pas. Enfin, c'est qu'un jeu, c'est pas très grave. Mais bon, c'est un peu gênant quand tu te foires comme ça. Et après, les gens, ils croient vraiment que tu les aimes et tout ça. Mais en fait, tu t'en bats les couilles. Des ouf, la quête. Alors, ici, la technique que je vais vous donner, déjà en mode tutoriel pour ce jeu-là, c'est de tout simplement attendre la fin, attendre jusqu'au bout et aller le plus loin possible. Donc, par exemple, ici, ce serait, je pourrais aller là, certes, mais moi, je me dis que la zone la plus sûre, ce serait par là, en fait, par exemple, parce que c'est plus loin et c'est plus éloigné des autres. Donc, on attend d'être ici pour aller jusque là-bas. Voilà, là on arrive plus ou moins là où je dois aller. On va continuer comme ça. Je vous rassure tout de suite, j'ai remarqué depuis quelques temps ce jeu-là et Roblox. J'ai l'impression que c'est terminé. Vous pouvez toujours y jouer tant que vous voulez, même si vous n'avez pas le Xbox Live Gold, en fait le online. Ce n'est pas lié avec. Enfin, il me semble. La dernière fois, j'ai joué pendant plusieurs jours. Et j'avais plus le online. Donc, apparemment, c'est fini, ça. Ils sont indépendants de cette version-là. Donc, ça, c'est bien. C'est cool, je trouve, parce que... ça permet d'éviter de se casser le cul à ce niveau-là. Ouais, désolé. Ça, je peux pas éviter que si je dois éternuer, j'éternue. C'est tout, on peut rien... Oula, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une mauvaise. Ça, je ne peux rien y faire, hélas. Voilà, pour le moment, tu me prends. Oh, le salaud. Non. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas encore prêt, bordel de merde. Pourquoi vous me tirez dessus maintenant? Veuillez attendre un peu que j'ai terminé mes représentations. Putain, ça c'est chiant quand on te fait ça. Ça, je trouve ça dégueulasse quand on te fait ce coup-là. T'as pas fini, t'es encore en train de te préparer et d'un coup, bam! T'as plusieurs personnes qui te tombent sur le paletot. Je trouve ça un peu dégueulasse de leur part. Alors... allez, avance, espèce de saucisse grillée. Alors normalement, du coup, j'ai éloigné assez suffisamment le micro pour que le son ne sature plus. Parce que avant le micro il saturait assez. J'avais remarqué qu'il saturait. Il devrait moins saturer maintenant. Après ça veut pas dire qu'il va pas saturer du tout, hein. Attention, il va peut-être encore saturer un peu. Mais moins que la dernière fois, parce que le micro est assez pas mal éloigné. Vu que je peux pas vraiment régler le son autrement, ben, la technique c'est d'éloigner, hein, et ça fait pareil, ça fait la même astuce, c'est un peu la même technique, entre guillemets, pas la même technique. Je me comprends. Pour le moment, c'est pas ouf les armes que j'ai.
Et du coup, j'essaie de trouver des armes intéressantes. Mais c'est pas le cas pour l'instant, hein. Je ne trouve pas vraiment de choses intéressantes du tout. Alors, t'as le brouillard qui s'amène là. D'accord, je sais pas ce que j'ai fait, mais apparemment j'ai mangé assez de champignons pour avoir un bonus. Ils sont chiants d'essayer de tuer comme ça. J'ai pas le temps de me concentrer, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Et on m'attaque déjà, quoi. C'est pas juste. Bon. Je sais même pas si l'arme que j'ai pris là sert à quelque chose. C'est comme ça qu'on tire. Ok. Mais ta mère. Oh mais j'ai pas une bonne arme. Plus que deux, donc ça veut dire qu'il n'y a plus que moi et un inconnu, c'est ça? Je pense que ça doit être ça. Ah bah il a gagné, bravo. Voilà, au moins j'ai failli être premier comme d'hab, parce que je suis bon à ce jeu en fait. Alors on va aller vérifier. Bon après il y a aussi l'histoire, le fait de devoir filmer et tout ça, ça peut stresser un peu on va dire. Excuse à des balles. Alors on voit ce qu'il y a de beau. Oh, c'est quoi ça? Ah non. Oh, Kusamanion, un face. LOL, excellent. Oh, beau gosse. Tenue pirate, ça fait très beau gosse. Ça fait genre caïman robe de bain blanc, genre tu me fais chier, tu me fais sortir au moment où je veux pas. Ah ça c'est moyen. C'est intéressant quoi. Filtre de piscine bleu. Bah non, j'ai pas une robe, c'est cool. Voilà, parfait. C'est génial ça. J'adore. Je suis fan. Voilà. C'est des petits trucs comme ça, vous voyez que dans le jeu qu'il y a, c'est des trucs what the fuck comme ça. Ah merde. Du coup c'est rigolo, c'est fun. Quoi? Bah, donne-le-moi, connard. Hein. Ah cool, un champignon. Ah, c'est rigolo. Ah oui, par contre, je vous préviens, il y a des choses que vous ne débloquerez pas si vous ne payez pas en fait le jeu. Parce que oui, je vais pas vous mentir. Voilà. Hein. Obtenu, obtenu. Hein. Et celui-là, je ne l'ai pas encore pris, mais je vais peut-être le prendre plus tard, on verra. Mais en tout cas, j'ai payé cela. La super édition sur. Enfin, voilà. Et du coup, ça fait que j'ai débloqué tout. J'ai tout débloqué. Parce que vous pouvez jouer en. Pardon. J'ai le hockey. Vous pouvez. J'ai tout fait là, il n'y a toujours pas débloqué. Vous pouvez jouer en mode tranquillou, je n'achète rien et tout ça sans problème. Mais le souci c'est que vous aurez pas tout ça, vous aurez beaucoup moins de choses du coup. Et on est toujours obligé de payer quoi qu'il arrive. Du coup comme ça vous êtes prévenu. Il faut. C'est une sorte de machin aussi pour. Bah il faut payer. Hein.
Alors là, vous voyez qu'il y a plusieurs trucs, c'est intéressant. Il y a multiplateforme avec les PC, parce que c'est que disponible sur PC et sur Xbox One, sur la Xbox quoi. C'est pas uniquement la Xbox One, hein. Il y a la Xbox série X, série S, Xbox X, machin. Enfin, vous avez compris, c'est pas X, mais vous avez compris. J'ai pas envie de toutes les citer, il y en a 5, il y a 5 Xbox en ce moment sur le plateau. Donc c'est un peu chiant de toutes les citer quoi. Du coup là je vais choisir un escouad. Ça veut dire que je vais vous montrer, on est plusieurs. C'est juste rigolo. Par contre des fois vos collègues font de la merde. Et on va voir si on va tomber sur des collègues qui font de la merde ou pas en fait. Donc voilà, voici mes collègues. Génial. Donc on va voir si ces collègues font de la merde ou sont efficaces. Et des fois il se cache, je sais pas pourquoi. J'aime bien ce petit tout. On peut pas se taper parce qu'on est collègues. C'est quoi ce bruit? C'est toi? Oula. Comme vous voyez un peu comme vous voyez oui. Comme vous vous voyez, hein, il n'y a pas autre chose. On peut se promener dans la map en attendant aller jusqu'au bout. Parce que c'est le cas, hein, on peut aller jusque où on veut sur la map. C'est juste qu'elle est vide en fait. Et elle n'a rien. Apparemment ils ont accepté que je les dirige vers ça. Parce que souvent habituel. Donc là pour l'instant c'est positif, mais des fois t'as l'équipe qui part en couille complète. Ça veut dire que tout le monde part dans son côté. Du coup ils se font tuer tous. Après ils demandent de l'aide, mais ils sont à 10 000. Ils sont à l'autre côté de la map. Complètement teubé quoi à ce moment-là. Tu te dis mais putain, mais qui m'a donné des imbéciles pareils à ce moment-là. Là ça va. Ils ont pas fait trop de la merde, ça va, c'est correct. Mais des fois, je vous dis, ils font vraiment du caca là-bas de mon caca. Hein. Un truc de taré. Donc ici c'est bien avec ce jeu là parce que je peux jouer autant que je veux, il n'y a pas de limite pour jouer. Et je parle pas, donc du coup ça donne un vide. Trop cool. Trop top. Top. Ah oui, le feu de camp en fait il s'allume que quand vous êtes blessé, sinon il reste éteint. Pour ceux qui n'ont pas compris et qui se disent peut-être, attends mais je comprends pas, c'est quoi ce feu de camp de merde qui s'allume pas quand je veux qu'il s'allume? Bah, c'est peut-être parce que tu n'es pas blessé en fait. Si tu es blessé, il s'allumera automatiquement tout seul pour te régénérer.
Après, il reste allumé. Mais si t'es pas blessé, ben, il va pas s'allumer, quoi. Et ça, les gens ne savent pas, donc du coup, je le dis. Comme ça, vous le savez. Regardez, on peut rentrer là-dedans. Ça sert à rien à part tuer des gens comme ça. C'est rigolo, voilà. Oula! Oula! Voilà, je me suis fait one shot, c'est génial, c'est trop cool, trop cool. Mais comme ça, vous voyez à quoi ressemble le jeu en coop. J'ai pu jouer depuis plusieurs mois, donc du coup, je suis un ou deux, 3 mois, je sais pas. Je sais plus combien de mois. En tout cas, je me sens que c'est presque plusieurs mois. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu en rouillé en fait. Et j'ai un peu de mal, vous le voyez, de toute façon. Du coup, je galère un peu. Et après, je me suis fait one-shotter presque quasiment parce que je suis une nouille à ce moment-là et que j'ai un peu perdu de mes facultés dans le jeu. Mais quand j'étais au top et que j'y jouais beaucoup et que je l'ai rushé pas mal de temps, quand j'étais avant, quoi, au moment où j'ai découvert et que j'ai voulu jouer énormément, je pouvais me dire que, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais fort ce soir. Bon, là, je fous rien, c'est tout le monde qui, c'est mes collègues qui font tout. Donc, c'est parfait, j'ai trouvé des gens qui sont bons. Ça, c'est cool. Quand tu trouves des gens talentueux, c'est génial. Oula. Ça aussi, on s'amuse souvent avec les trucs de pâte de faire un apprentissage de voler. C'est rigolo, ça sert à rien. Donc, apparemment, on trucide tout le monde. Nous, on est comme ça. Voilà, on est comme ça. Nous, on tue tout le monde et on s'en ouf la quête des gens. On les tchoum-tchoumise tout, tels des saucisses grillées pour tous. Bah voilà, on a gagné. Bah je vais terminer sur cette fin de vidéo là. Donc j'espère que ça vous a plu. Et comme vous voyez, le jeu il est assez. Bah, je sais pas si c'est moi qui est bon ou c'est juste. Mais voilà, c'est comme ça que je joue à ce jeu là en fait. C'est comme ça. Tout simplement. Je fais des parties avec les gens. Et c'est comme ça que je fais quoi. Avec des inconnus, je veux dire. Je fais des parties avec des gens que je connais pas. Je joue jamais tout avec des gens que je connais, quoi. Et pourtant, on peut s'en sortir. En fait, c'est random. C'est aléatoire, en fait. Vous pouvez carrément vous foirer. C'est aléatoire. Donc, j'avais dit à une autre personne que j'étais au niveau 70. Alors, en fin de compte, je suis au niveau 71. Bon, 75, pardon, mais c'est pareil, hein. Enfin, je veux dire qu'au moins, je me suis pas trompé au niveau de mon niveau. Ben voilà, je vais encore débloquer la chauve-souris hein. Et après j'ai débloqué tous les monstres. Enfin c'est pas des monstres, c'est des animaux. Par contre, ils ont oublié de mettre le guépard. Je ne vois nulle part le guépard, c'est bizarre. Par contre, ouais, c'est vrai que celui-là, je vais essayer de le récupérer. Il est à combien? Super Edora. Oui, mais il est à combien quand même? Ah oui. Voilà, comme ça. Il est à combien encore? Ah, je l'ai pas encore débloqué le léopard. D'accord, ben on va le débloquer du coup. J'ai que ça à faire de toute façon. L'hérisson non plus. Bon, l'hérisson je m'en fous un peu, mais bon. Voilà, c'est sympa de débloquer de temps en temps des personnages que vous n'aurez pas forcément débloqué de base.
Là par exemple, je dois débloquer celui-ci, celui-ci, celui-là et celui-là, ouais. Ça fait 4 dans les loups. Parce qu'en fait, je vous explique avant de terminer comment le jeu fonctionne. En fait, vous récupérez des sortes, en combat, vous récupérez des trucs d'ADN et des sortes de machins avec les têtes des animaux. Et quand vous avez le nombre exact demandé, vous pouvez faire créer. Et du coup, ça débloque tout et ça fait que du coup, vous avez accès à tout. Ça marque comme ça débloqué. Et du coup, après, ça vous montre le nombre de pareil ou de retour identique qu'il faut de trucs pour après débloquer. Vous appuyez sur créer et vous débloquez et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Celui-là, je l'aime bien. Il y a des choses sympas du côté du cochon, je trouve. Du coup, voilà comment ça fonctionne. Et comme vous voyez, il y a pas mal de bébêtes, quoi. Et le truc rare, c'est celui-là. Enfin, pas rare, mais je veux dire, c'est le truc... Oh, rose. Beau gosse. Le rose, je vais essayer de le débloquer. Moi, j'ai un sacra différent parce que je l'ai payé, en fait, dans le pack. Parce que vous avez remarqué que ça ressemble pas du tout. Voilà, c'est celui-là que j'ai, je crois. Je sais plus. Je vais vous montrer, attends. Non, c'est pas celui-là, en fait. Ah non, 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 c'était bien l'autre. Ah, c'est bien celui-là que j'ai. Je dis des conneries. Donc non, c'est bon. Bon, ben voilà. Hein. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous montrer des peut-être éventuellement des trucs de fin, puisque je vais sûrement pas les poster différés. Donc je pense que je pourrais faire ça en fait, c'est d'aller dans mes trucs de vidéo et vous partager des trucs. Donc c'est dans capture. Vous avez pas mal de trucs affichés, des 80 trucs de capture. Et ce que je peux vous faire, c'est vous montrer tout simplement rapidement les games que j'ai gagné. Il y en a pas mal, quoi. Regardez moi ça, je vais vous en montrer un de comme ça vite fait pour vous montrer un peu mon swag attitude. On va prendre, allez, les 4 derniers, hop, review. Voilà, comme ça je vous montre un peu, comme ça pour le plaisir. Hop. C'est pratique parce que du coup j'ai juste à commenter et c'est pas con, quoi. Donc là je joue pas, hein. C'est le jeu qui joue tout seul. Puisque c'est une game. Alors, c'est une technique aussi, hein, de commentary aussi à faire, c'est pas con. Donc comme vous voyez, je suis en chien machin, en fake truc là. Il manque les bonnes lunettes, hein, pour faire le chien labrador scientifique fou qui nous a tous créé. Enfin, c'est un délire comme ça. Du coup, il manque des choses, quoi. Toutes les games que vous allez voir là, c'est du good game, quoi. Hein. C'est, ça veut dire que c'est des games que je gagne, soit que c'est moi qui gagne, ou soit que c'est avec mon équipe que je gagne. Donc on va toujours gagner, toujours. Et du coup ça, je pourrais me la péter et faire des montages, mais je vais faire ça peut-être plus tard. Si je vous en montre 4, les 4 derniers, et peut-être que par la suite je ferai des montages comme ça, on verra. Voilà, comme vous voyez, on n'est plus que 5 parce que c'est un enregistrement de 2 minutes en fait, hein, via la Mover Media. Logique. Bien sûr, comme je vous ai dit, hein, on va gagner. Puisque c'est le principe, quand tu enregistres des games, tu vas pas garder la version où tu perds. Hein. C'est un peu bizarre, ça peut être possible. Ah, c'est bien, tu nous mets dans le bon... Ah non, même pas. Ah si, attendez. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Donc c'est celui-ci qu'il faut lancer maintenant. Ah bon, c'est encore le même.
Ah, ça c'est bizarre. Attends, on va essayer de trouver un autre personnage aussi. Ah oui. Ah. Ouais, mais non, mais ça serait bien de montrer aussi d'autres persos. C'est lequel celui-là? Ouais, voilà, panda. Ah ben, je pourrais peut-être avancer comme ça. Ouais, on verra ça plus tard. Oui, parce que vous le montrez plusieurs fois, le man animal, c'est pas très intéressant. Donc ça, c'était mon panda avec un autre look. Ah, je les tue tous. Comme d'hab, hein, on va gagner. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, puisque c'est des good games, comme j'ai dit. C'est des enregistrements que je voulais envoyer sur le machin, mais je me suis dit, non, voilà, j'ai pas envie de faire plus. Ce qu'on va faire, au pire, on va peut-être tout dévisionner, j'en sais rien. On va voir combien, parce qu'apparemment, j'en ai pas beaucoup. Donc c'est faisable, ça prendra 10-20 minutes, ouais, je sais pas. C'est marrant, je trouve, de commenter. Après, il faut voir si vous m'entendez bien aussi, parce que sinon, c'est un peu nul. On connaît la musique, j'ai gagné. Le but c'est pas ça, c'est juste de voir des nouveautés. Ah oui, celui-là j'avais utilisé, c'est juste pour vous montrer pour le lol. J'ai utilisé pour mettre en fond d'écran vert en fait. Donc ce truc là en fait, j'avais fait une vidéo où on voyait mon personnage lancé, en fait c'est là. Et après j'ai fait tout un bordel de trafiquage pour retirer retirer tout et faire que du coup on voit mon personnage lancé, mais en qualité dégueulasse d'ailleurs. Si au cas où vous trouvez avec le petit avec mon avatar justement que j'ai en PP là, ben vous avez le petit personnage comme ça qui danse, ben c'est ça en fait. Attends, parce que là il y a eu un bug il me semble. Voilà, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait hop, voilà, puis après j'ai fait, je me suis gouré, je me dis non c'est pas ça. C'est quoi ce bordel? C'est pas ça. Je cherche, je trouve et je me dis, ah ok, voilà, nickel. Pom. Voilà. Et après, je mets la danse. Et là, je laisse pendant quelques minutes, tant que je puisse avoir le temps. Et hop, du coup, ça change. Et voilà, et du coup, je coupe. C'est pour ça que c'est coupé d'un coup. Et c'est avec ça que j'ai fait mon animation, si vous avez remarqué, un peu dégueulasse d'ailleurs. Parce que c'est à cause que l'image est trop petite et j'ai dû... zoomer un peu le personnage et du coup ça rend dégueulasse. C'est un peu dommage, hein, j'assume, j'avoue. J'aurais peut-être dû laisser la taille d'origine de ce personnage, j'aurais été mieux. Mais bon, voilà, j'avais fait ça comme ça. J'aurais dû laisser sa taille d'origine. Ah, peut-être refaire du coup avec sa taille d'origine, on verra. En tout cas, je garde le truc, ça c'est clair. C'est quoi celui-là? C'est lequel que j'ai? Non, celui-là on l'a déjà vu. On va essayer d'en trouver un autre avec un autre personnage. Oui, mon Wututum, parfait. Il est tout mou. C'est génial, ça. Tout mou, tout doux. Et après, on va encore en regarder un et ce sera bon. Hein. Je vous tiendrai. Je vous montre un peu l'idée... de les games que j'ai fait quoi et combien de fois j'ai gagné. J'ai gagné plus de fois que ça aussi encore hein, malgré tout. J'ai pas toujours tout filmé parce que par finir tu te dis ouais ok bon je vais pas à chaque fois filmer quand je gagne hein, ça va être un peu cassé. Enfin je veux dire j'en ai assez des trucs comme ça. Donc j'ai prévu peut-être que par la suite que je fasse en fait tout simplement des trucs good dating. Je sais pas les sortes de machins où cela pète là.
Mais pour ça, il faut apprendre tout en fait. Du coup, ça, c'est du travail en montage. Donc, du coup, pour l'instant, je garde ces vidéos-là bien au chaud pour plus tard, même si c'est dans quelques années, on verra. Ou dans un an au pire. J'ai prévu de faire peut-être ça. Je suis une grosse fainéasse intérieurement, vous comprenez. C'est dur pour moi. MDR. Ah, il est tellement mou. Et doudouifié. Si, 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 si. Vous savez bien qui c'est. Vous imaginez un joli pom-pom comme mon avatar qui est tout le temps souriant et qui se bat. C'est tellement comique. Ils sont tellement comiques. Et ils sont rigolos. Ils sont roux, diaboliques. Bravo petit tchoum tchoum, bravo. Lol. Alors. Ah ben voilà, ma chakra, on va terminer sur elle. Donc voilà, là vous êtes à ma chakra. Normalement on va me ressusciter puisque c'est 2 minutes truc. Ouais, c'est chakra, pas chakra, mais moi je dis chakra, c'est quoi je dis. En bref, c'est une sorte de chat avec où on voit son crâne à la place de la peau. Un peu le même style que les. Que ces machins. Enfin, un chien où on voit son crâne au lieu de sa tête, vous avez compris un peu l'idée quoi. Mais sauf que là, c'est un chat, parce que le chat on l'a pas vraiment en fait, du coup le délire c'est que c'est le. Transférer cette idée sur le chat parce qu'ils savent que les canidés ça a déjà été fait et montré plusieurs fois. Que c'est vrai que sur les chats on l'a pas fait réellement. J'ai crevé. Ah non. Oula. On va gagner. Hein. Oula. Tout ça mignon l'entraide qu'on fait. Pourtant c'est des inconnus, je rappelle, hein. J'ai joué avec des gens que je connais pas. Hein. Parce que j'ai pas d'amis. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt et portez-vous bien, bande de trutruffes miniatures. Voilà, c'était Super Animal Royale sur Xbox One et les autres consoles Xbox, bien sûr. Hein, y a pas de souci à ce niveau-là. Et portez-vous bien, bande de trutruffes miniatures. Saucisses grillées pour tous, pour vous.